africain, la mer, c'est dans la transcendance des valeurs. Celle qui vient après Dieu. La mer. Voilà pourquoi nous sommes de complexion matriarcale. Parce que la mère, elle a le don de donner la vie. Et quand elle donne la vie, nous devons savoir que la valeur la plus importante dans la race noire, c'est la préservation de la vie. Donc celle qui donne la vie, qui est la valeur cardinale du peuple noir, elle est de facteur de condition divine. Voilà pourquoi seules les femmes avaient accès au culte dans l'Antiquité. Il y avait les adoratrices divines. Il y avait les prêtresses épouses du Dieu Amon. Il y avait les femmes qui consultaient les oracles. Mais le temple était le domaine des femmes, à l'exclusion des hommes. Donc cela veut dire que quand j'ai une statuette, Chokwe, où la mère allait l'enfant, ce que nous appelons les maternités bantoues, que nous trouvons beaucoup au Cameroun, ce n'est pas la matière, c'est-à-dire le bois dont la statuette est faite, qui explique sa valeur et sa sacralité. Ce qui explique sa sacralité et sa valeur, c'est que c'est un réceptacle de l'énergie du don de la vie.